et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour l'épisode 12 de notre Let's Play sur Pokémon Solar Light et Lunar Dark. Nous sommes dans la ville de Sailport Town, si je ne me trompe pas de nom, et nous sommes toujours en direction de la 6ème arène du jeu qui se trouve à Greenpoint City. Et on se rapproche en tout cas de cette ville, mais il y a encore un petit peu de route à faire. Comme à chaque fois, on va regarder la map. Comme vous pouvez le voir, on est là. Et la ville avec la reine se trouve là. Donc il faut descendre un peu au sud. Et c'est justement ce qu'on va faire d'ailleurs. Donc écoutez, on va tout de suite partir. Donc, je pense que c'est pas ici, c'est ça. Hein? J'ai pas une mauvaise journée. Ah, pourquoi est-ce qu'elle me... Oh! Encore toi? Ok. Ah, il faut aller d'abord à Rasic City, c'est vrai. Alors, c'est quoi ça? Donc là, on va réfléchir, on va chercher à chaque fois. Donc c'est quoi? C'est Fragou. Fragou, c'est un type poison. Donc techniquement, à moins qu'il ait une attaque super efficace ou pas, il peut pas vraiment nous toucher. Donc je pense qu'on peut directement envoyer une attaque. Hein. Et il va se faire paralyser d'ailleurs. Tu vas te faire accès derrière. Je pense qu'on peut même le finir avec Charge Beam. Il y a une chance de boost. Et on va se faire booster ça, 50% de chance je crois d'augmenter. Ensuite on a Natoron. Oh, ah oui, c'est type sol ça. Type sol, mais il peut pas nous toucher. Avec une attaque sol, du moins on a l'évitation. Wild Charge, c'est résisté, c'est pas stabé, donc ça fait 0. La deuxième balle on va tuer sans souci. 2-0 pour nous. Ensuite, Dinopion. Ah, ça c'est combat dragon, c'est ça. Donc c'est super efficace sur nous, donc je pense qu'il va falloir switcher. On peut switcher sur lui. Il n'y a pas grand chose qui... On n'a pas d'attaque glace. Hein. C'est vrai que face au type dragon, on fait pas grand chose. Hein. Je pense qu'il va falloir remédier à ça à un moment donné. On n'a pas de Pokémon de type fée. C'est vrai qu'on a, il manque un truc comme ça. Si on avait une attaque glace, je dis pas, mais là, c'est pas le cas. Non, ma chouille, hein, c'est pas assez fort. Alors, ce qu'il faut faire, c'est ce setup. On va l'avoir comme ça. Non, mais... Ah, putain. Iron Head. Alors, anticiper un truc, je sais pas trop quoi. Mais... Bon, finalement, on a fait 100, mais faudra y penser quand même. Hein. Flash Canon, ça c'est ce que je cherchais. À la place de. En vrai, Lightning Strike, ça me sert plus à grand chose, puis je peux toujours le réapprendre. Ensuite, il va y avoir Tarixit. C'est type feu. Il va se faire tuer. Ensuite, c'est Kaspring. Oula, dans Slam. Sauf qu'on peut faire ça plus Aqua Jet. Je sais pas si Aqua Jet va tuer. Va tuer. Voilà. Parabo. Ouais. Pas trop à craindre de ça. Acrobatie, s'il n'y a pas d'item. Je pense qu'il doit pas en avoir. Vu les dégâts que ça a fait, ouais. Oh, quoique.
Bah en fait c'est 55 mais c'est tabé. Ça peut prendre des petits dégâts. Je pense que tu es trop fait pour cette vie. Quoi? Bah en même temps si la meuf en bas me laisse pas passer, j'ai pas trop le choix. Hein. Qu'est-ce que tu veux toi encore? Attends. Oui, j'ai gagné, évidemment. Ok, donc, ah, donc là, il va nous donner la méga gemme. Ah oui, carrément, c'est la réunion de famille. Rainbow Reef et Whisper Tunnel. Ah bah ouais, Rainbow Reef, on y est déjà passé. Whisper Tunnel, c'est juste en dessous. D'abord à la race XCity parce qu'ils les ont été aperçus là-bas. Ouais. Un ancien musée d'artefacts. Ok, on regarde. Ah d'accord, on aura la méga évolution à Racine. On doit y aller. dans tous les cas. Donc Racine City en la route 13. Squidard. Thank you.
Attends, ça je me garde pour tout à l'heure. Sous l'amphibie Nawal. Leur Jasper, ah ouais, ah non, pardon. Ancienne passe. Alors, je vais quand même regarder, hein. Vérifier qu'il n'y a rien. Ancienne passe. Pouvoir antique. Il y a l'âme de roc si on veut. Jumping down. Okay. Un dragon de forme aussi. Pas grand chose. Certains font le one shot, mais bon. C'est quoi ça, Jiweltal? C'est quoi, c'est insecte vol ou quelque chose comme ça? Insecte roche. Il y a clair maudit. Ça fait pas du bien. Hein. Je sais pas si ce truc est rapide. Bah, c'est un type proche, donc en général. Ah, il a 90 de speed. Mais par contre, Azizat, c'est pas ouf. Hein. La particularité des Pokémon de jeu, c'est qu'ils ont toutes les stats. Ils sont tout à peu près, on va dire, équilibrés. C'est-à-dire qu'il y a toujours, il n'y a jamais trop rien d'exceptionnel à part certains Pokémon. Elles sont toutes bien fixées entre elles en fait, les stats. C'est ça qui fait la différence. Cosmète. Ancienne power. Alors il va quand même booster sa vitesse. On va faire Aqua Jet. Ah.
Par contre, on est en train de se faire un peu distancer. J'ai l'expert pour les autres Pokémon. Flare. Ça c'est Eclipse. Il me semble que ça a l'évitation. Que si je mets ça, ça peut-être ça a plus de chance, je sais pas. Non, c'est type 6 ça. Il va me dépasser, me tuer, c'est ça l'idée. Non, c'est pas ça les dégâts. Et il va me faire future set dans la gueule. On me tue, c'est pas grave. Un peu dans le mal, hein, quand même. Ah. Voilà. Thank you.
Voilà. Oh là là, c'est pas possible. Ah, je suis pas un coup critique. Bon. Quelle bande de lâches. Ouais, donc c'est pas par ici.
Moi j'arrive pas à... C'est par où? Ah, c'est encore un casse-tête, c'est ça l'idée. Ah non. Oh, c'est mal foutu. Dommage. Moustrique. Oh, c'est normal acier. C'est étrange comme type. On va tenter une attaque. Hein. Oh. Pas très mal. Hein.
Ah, je... Ah, ça échoue si le Pokémon est mort. Jiweltal. Alors, Power Jam, c'était plus fort que Signal Beam. Mais... Oh, mais... C'est plutôt pas mal. Ancienne passe. Et c'est à nous. Pokémon Ranger Linus. On va à Tomotro. Alors, hop. C'était ses pouvoirs antiques, c'est ça? C'est le power, ouais. Switch. Au revoir. Rassic City, du coup. Ah, fameux Rodney, bah oui, évidemment. Ah, c'est bien, il a sonné mes Pokémon avant cette fois. Je commence à en avoir marre de t'affronter quand même, mon ami. Ça devient collant à un moment donné. D'abord, Bok. Ah, je me souviens que ce truc avait acharné. Zenedbot. Ah, je me souvenais pas de Zenedbot, non. Mais ma foi. Oh, il est plus rapide que moi. Ah putain, on va mourir tous les deux à cause du recul. J'ai un Pokémon de rechange.
gars. Ça fait pas du bien, hein, putain. Je vais voir ce que c'est comme poké. Un type électrique vol. Ah, ça veut dire qu'il résiste pas, ça. C'est pas un dragon. Oh, on dirait un type dragon, hein, en apparence. Ça la slam. Allez. On discharge. Ou... peut-être une paralysie si on le one-shot pas, quoi. Non, ça va tuer. Bon, son starter, à chaque fois, il se fait un peu ouvrir en deux. Hein. Bablaz, c'est quoi ça? Ah, il a fait évoluer son machin de merde. Est-ce qu'on met Pulldog ou pas? Attends, tu vas aller. On se fait plaisir, pourquoi pas, et malheureusement, ça n'a pas tué. Ça n'a pas tué mon Pokémon non plus. Il va se faire toucher de son Bablaz. But sort. Bon, ça, ça va tuer, hein, évidemment. Pas trop de débat à ce niveau-là. Et derrière, Bulker. C'était quoi Bulker? Ah oui, je veux pas savoir ce que c'est. C'est le gros Pokémon combat, là. Ensemble. Niveau 44. Ok. Ça se tente, hein. Ça va tanker le chatter, ça va se faire confuser évidemment. Tape-toi dans ta confusion. Parfait. Et du coup derrière, au revoir. Le critique n'a pas joué. Hein. Clairement. Il n'a pas. Aucun des deux n'a gagné une seule fois. Enfin des trois, parce que du coup il y a le aucun. Aucun des rivaux n'a pu gagner une seule fois contre moi, même avec une équipe affaiblie. Hein. Je tiens à préciser. C'est quand même fou, hein, alors que pourtant on a fait le même parcours à la base. Hein. On a chacun fait. Pendant j'ai pas tout le temps extrêmement bien joué, hein, parce que parfois je m'amuse un peu, du coup je fais des petites bêtises. Oh putain. Oui, d'accord, je savais pas où était le musée, excusez-moi. Alors. Dragon, c'est un problème pour nous aussi. Hein. On a rien pour. À part le dragon, on a rien. Absolument rien. On se fait défendre, on va se faire détruire. Tiens, par contre. Faut que je regarde s'il y a. Il n'y a pas quelque chose à choper dans la ville, on sait jamais. Jurassic City. Rain Dance, on s'en fout. Alors on peut libérer notre fossile, mais bon, je vois pas trop l'intérêt. C'est pas un type fait. Mais c'est un type acier. Oh, on a déjà un type acier.
Aïe, on va souffrir. Alors, ce que je peux faire par contre, pourquoi le premier Pokémon type dragon que je vois est de type fée aussi? Quand même incroyable, hein. Dragon haut. Ok, on peut librement faire ça. Hop. Ouais, il faut l'XP, le poké. Serpiro. S'arrêter là du coup pour cette vidéo qui est déjà assez longue quand même, et la prochaine fois nous finirons ça. On va voir si on arrive à relever ce défi face au type dragon. Merci beaucoup de m'avoir suivi en tout cas pour cette vidéo, et on se retrouve très prochainement pour la suite de cette aventure. À très vite, ciao.